Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et nous retrouvons donc l'AS Roma contre le Paris Saint-Germain. Grégoire Margoton pour vous servir et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tulette. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Voici donc les joueurs qui vont être alignés. Le match commence. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il relance côté droit. Daniel Alves. Neymar. Il poursuit son effort dans l'axe. Florenzi. Neymar. Il joue dans l'espace. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Rabiot qui récupère ce ballon. Une très longue passe. Et ils essaient de repartir de derrière. Di Maria. Toujours pas de but dans ce match. Allez, on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu. La frappe! Oh, l'intervention magnifique! Bien repoussé par le gardien. Oh, qu'il est important cet arrêt. Nainggolan. S'il le trouve... La passe en retrait vers son défenseur. Il décide d'allonger le jeu. Di Maria. Le tacle énorme dans la surface. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, voici Dzeko. Marquinhos. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Marco Verratti, Neymar. Neymar! Oh, but! But pour le Paris Saint-Germain! Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Une longue frappe qui finit au fond. C'était vraiment un boulet de canon. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien à se reprocher. On en restera là pour cette première période. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période.
Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. À la régulière, il est battu, joli tacle. Kurzawa. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. Et le centre, personne pour reprendre le centre, dommage. Federico Fazio. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Il écarte le jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Thiago Motta. Oh, voici Neymar. Il part en solo. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. C'est au fond des filets. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire, tant qu'à faire, autant se rapprocher. C'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. Ça bouge sur les bancs de touche, on devrait assister bientôt à un changement. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Neymar! C'est parfait, magnifique. Une occasion! Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Et il rate le cadre. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Thiago, mauvaise intervention, faute là-dessus. La défense bien présente. Oh, voici Neymar. Florenzi. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Dans l'espace. La frappe. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. En tout cas, on ne peut pas le reprocher de tenter les choses, mais bon, ça ressemble quand même à un aveu d'impuissance. Sans doute avoir un peu plus de liberté. On dirait qu'ils essaient de le déstabiliser, de l'énerver pour le faire craquer, espérant qu'il va savoir garder ses nerfs. Marco Verratti. Daniel Alves. Marco Verratti. El Shaarawy. Le ballon s'en touche. Le coup de sifflet final, c'est fini. Quelle est belle cette victoire, belle et méritée. Ils étaient tout simplement plus forts aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt.